Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure pour faire le tour du monde en 80 ans où la dernière fois nous lorgnions sur Tata. Et donc nous allions faire des emprunts pour acheter Tata parce que j'en ai vraiment besoin de cette province. Donc elle coûte très cher. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix que de l'acheter. Et comme ça, hop, ça y est, nous avons Tata. Et donc maintenant, il faut qu'on récupère cette province du delta du Gange qui appartient à Orisha. Et donc, nous allons explorer Orisha, bien évidemment. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on attaque maintenant ces braves gens? Je ne sais pas. Alors, en plus, j'ai pris un emprunt de trop, c'est absolument magnifique. De bêtises. Embellissement de Londres. Bon, c'est très bien ça. Donc on attend ici que ça se révolte. Trois de stab, parfait. Ça permet de faire des petits nocebés s'il y a besoin en plus. Parce que là, clairement, je crois qu'il va falloir employer la manière forte bientôt. Sinon, on n'y arrivera malheureusement jamais. C'est un peu ma crainte. 22 titres. Alors c'est bien d'avoir de la thune, hein, mais par contre, reperdre 5% de contrôle du pays, non quoi. Donc non, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc là, j'attends que l'exploration soit finie pour pouvoir explorer de ce côté-là. Tout simplement. Ah oui, mince, et je peux attaquer Tlemcen. Parce que les Ottomans venaient pas. Alors j'espère que c'est toujours vrai que les Ottomans ne viennent pas par contre. Ah, les Ottomans ne viennent toujours pas. Donc ça c'est très bien. Hop. On reprend la maintenance à fond. Hop. Groot a encore envie de revenir, décidément. Ok, en plus, donc là, c'est t'as fini ton exploration. Ok, on va pouvoir traverser sans doute. Et donc, toi, maintenant, tu vas explorer de ce côté-ci. Voilà. Et on va se refaire un petit peu d'argent. Ottoman ne vient pas. Alors on va attendre que tu passes par là. Ah mais non, mais oui, si c'est bon. Boum, voilà. Oups, désolé. Oh, je suis désolé. Je t'ai fait mal. Je t'ai fait très mal. Ça, c'est pas volontaire. Hein. Hop. Toi, tu viens là. Oups, oh, t'as mal. Hop, oh, t'as mal. Très bien. Donc, du coup, on va continuer. Ah, pourquoi tu veux pas venir? Ah, parce que moi, j'ai pas l'accès militaire. Ok. Soit. Admettons. Je sais pas pourquoi Mzam se barre, du coup. Ça n'a aucun sens. Hop. Donc, je vais y aller. Ah, tiens, une mission est accomplie. C'est laquelle? Ah, découvrir l'Inde. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça aussi, ça peut me donner des revendications. Hop. Allez, viens là, toi. On va prendre tout ça. En plus, t'es déjà en guerre. Contre le Maroc, donc c'est parfait en fait. Hop, on peut avancer tranquillement. Toi tu viens là, toi tu viens là. Voilà, on découvre tout ça. Oh, toi je peux te défoncer par contre.
toi, je peux te défoncer. Donc je sens qu'on va faire un petit nocebé, les amis. Je sens qu'on va faire un petit nocebé. Alors, on s'en fout. Ouais, j'ai même pas besoin de farmer ça en fait. Répa de guerre. Je veux juste ça quoi. C'est 15 pièces, c'est toujours ça de prix. Oups. Ça, c'était pas prévu par contre. Qu'il y ait 10 000 hommes qui se cachent ici. Venez tous là, du coup. Ça peut vite faire mal. Alors, est-ce qu'on peut explorer encore? Oui, on peut. Mer de Chine. Après, je vais voir combien ça coûte chez Orisha, mais à mon avis, pareil, ça va coûter. J'ose même pas imaginer en fait le prix que ça va coûter. Constitution d'un réseau d'espionnage, ça peut toujours aider, pourquoi pas. On gagne en dévastation ici, honnêtement, je m'en fous un peu. New Haven est bientôt fini. Juge de paix. Genre, j'en ai quelque chose à faire de l'innovation, quoi. Alors, est-ce que je suis à portée coloniale? C'est ça la question. Ouais, sans problème. Non, parce que mine de rien, faut y aller après, hein, jusqu'en Chine. Il faut y aller. Donc, c'est pas. Attention. Ça va pas être si simple. Ok, donc ça on peut le faire, je sais pas si ça va servir, mais ok, on peut perdre un peu de prestige. Ça me dérange pas. Ouais, il y a le Maroc qui est déjà en train de l'attaquer, malheureusement. Là, je vous dis, le petit nocébé en Orisha, je le sens bien, quoi. D'ailleurs, je dois pouvoir faire un réseau d'espionnage dès maintenant. C'est bien d'essayer de faire des choses pacifiquement, mais j'ai pas le temps là. Il me reste 15 ans. Et donc 15 ans, ça descend très très vite, quoi. Toi, tu viens là. Mécontentement des clercs. Ok. Élection. Non, j'ai pas besoin de le garder. Croissance coloniale générale, parfait, ça c'est cool. Alors moi la seule chose que je veux, c'est répa de guerre et toute ta thune. Voilà. Hop, je veux rien de plus. Pourquoi pas ça? À mon avis, ça va pas me servir à grand chose, mais bon, pourquoi pas. Donc là, hop, on peut rembourser deux emprunts, on le fait. Quitte à réemprunter derrière, hein, c'est pas grave. Hop, pousser à la révolte. Voilà, parfait. Comme ça, il n'y a plus de problème et on va pouvoir amener les bateaux de l'autre côté. Donc toi, tu viens là. En prenant lui. Et tu vas amener les bateaux de l'autre côté. Tout simplement. Morale navale, ça peut servir. Mais il vaut mieux faire ça. Ce qui me donne le finisher ici. Ok. Et donc je peux faire des revendications en Amérique maintenant, normalement. Voilà, dans les régions coloniales, tout à fait. Donc ça peut éventuellement m'aider ici à faire de la thune ou je ne sais quoi. Hop. Tu viens là. Et toi, tu viens ici. Tu fais tout le tour puisque maintenant tu peux faire tout le tour.
Priorité agricole, très bien. Donc je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent, bien évidemment. Mais ça vaudra le coup de voir combien ça peut me rapporter. Alors, ici, je peux rien faire de spécial, malheureusement. Ça, c'est en 96, d'accord. Ça, j'en ai plus besoin, du coup. Enfin, j'ai vraiment envie de l'énocibi, quoi. J'ai vraiment envie de l'énocébé, et après, ça sera tout ça, quoi. J'ai 15. Attention, hein, c'est... Ok, il me reste... Il me reste Delta du Bengale, Canton et Musashi. Mais voilà, enfin ça va aller très très vite là. Là, faut tabasser là. Fini de rêvasser. J'attends que la flotte arrive. Elle fait tout le tour, ça prend du temps. J'ai perdu un conquistador. C'est pas grave. Hop, on le reprend. On va juste voir combien ça coûte par curiosité. Parce que ça se trouve que c'est pas si terrible. Mais sinon, on va faire une OCB. Et en plus, ça va s'arrêter dans 121 mois. C'est chaud. Ouais, icône oubliée. C'est pas grave. Ok. Ça a été une longue traversée, mais mes bateaux sont passés de l'autre côté. C'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. Donc maintenant, on va chercher eux là. On arrête de perdre du temps. Ok. On va attendre un tick mensuel et on va aller là-bas. Voilà. Et ici, on voit comment on se débrouille. Après, on peut peut-être attaquer Barmani. Ouais. Et puis, il faut que je construise des canons. Je manque cruellement de canons. Et j'achèterai bien évidemment des mercenaires pour m'aider ici. Ça, c'est évident également. Suez. Putain, pourquoi Suez, il est à nouveau... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Administratif, je m'en fous. Militaire, par contre. Ouais, ça m'intéresse. Clairement. Très bien. Alors, juste pour voir combien ça coûte. Donc moi ce que je veux, ouais, c'est bien celle-là que je veux, hein, Delta du Bengale. Ça coûte combien? Bon. Ouais, je peux pas. Donc, nocibi. On se prend pas la tête. Alors, je pourrais attaquer ici, mais... Pff, non. Non, non, vaut mieux attaquer aux riches, hein, directement. Faut pas se prendre la tête. On va attendre que ces bateaux soient réparés. Et on va y aller, hein. J'ai de l'argent pour acheter des mercos, donc allons-y, allons-y. Par contre, toi, je suis en train de réaliser, vu que la colonie est bientôt finie, faut que tu reviennes là. Sinon, je pourrais pas tuer les indigènes. Et ça me dérangera beaucoup.
Après, peut-être qu'il y a des choses qui coûtent moins cher ici, hein, j'en sais rien. Moins 39, moins 63, rien. Laisse tomber. Non, non, ça, c'est même pas la peine. Ça coûte beaucoup trop cher. Très bien, donc, allons-y. Je déclare la guerre, nos Sibi, tant pis. Quand faut y aller, faut y aller. Hop. Hop. Allez, on y va. Directement là-bas. Encore une fois, hein, j'ai pas de temps à perdre, malheureusement. Parce que là, c'est bientôt fini. Enfin, les dernières années vont être cruciales, quoi. Donc je peux vraiment pas me permettre de finesser. J'espère que la supériorité technologique sera suffisante pour complètement les défoncer. Parfait. Malheureusement, c'était attendu. Bon, c'était débile de faire ça. On va pas se le cacher. C'était totalement débile. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Alors, toi, tu viens là. Ok. Alors, est-ce qu'on prend une armée de mercenaires? J'ai envie de dire oui. Alors elle est un petit peu plus raisonnable quand même. Ouais, faut que je prenne des armées locales. On va se faire aider. Très bien. T'en es où toi? Ok, c'est bon. Je peux. Je peux faire ça. Très bien. Et je gagne encore de l'argent en plus, c'est fou. Ok, parfait. Et donc là, envoyer. Non, mince. Envoyer. Alors, quelqu'un qui augmente. 0,8, 1,2. Parfait. Toi, tu peux venir là. 7%, très bien, ça va vite. Par contre, toi, tu... Ouais. On va le garder pour le coup. Même pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut ici. À 14, allez. Quatre, 28, c'est bien. Parfait. Non, 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 non. Ah, sac, parfait. Bon, j'ai vraiment pas envie de perdre de l'argent. Disons que ça peut m'aider de commencer à revenir là-dessus. Hein. Donc là on fait ça et du coup ici on peut prendre ça. Histoire d'être vraiment sûr que j'ai pas de problème. Et du coup toi maintenant tu peux venir là. Toi tu peux venir là. Ok, parfait. Et en plus comme j'ai un explorateur, tu peux passer par Barmani. Donc c'est très bien en fait. Je pense qu'on va... Ah mais non, mais je peux pas. Si, je peux, parce que j'ai des bateaux. Donc, même si j'ai pas de truc, je peux. Très bien.
Non, là, on n'a plus le choix, là, faut avancer. Parce que 24 ans, c'est demain, hein, 24 ans. Donc là, tu peux faire ça. Ok, donc là, il y a tout le monde qui arrive. C'est pas grave. Ok, t'es en guerre contre le Mamelouk, si tu veux. Ok, donc là normalement la flotte je la défonce. C'est aussi le but de l'opération. Parfait. Toi tu viens là. Très bien. Donc ça. Ouais, tu viens là. Je trouve ça très bien que tu aies récupéré trois trucs parce que ça va me permettre de faire pour le coup. De vraiment faire des canons qui vont m'aider pour la suite. Donc toi, attends, j'attends que tu passes. On fait ça là. Allez, vas-y, viens. J'attends juste que tu passes ici. Voilà. Donc on fait la paix avec Jarkland, répat de guerre, j'en ai rien à foutre. On est 21. J'aurais pas Kachar mais c'est pas grave. Ok parfait. Très bien. J'ai récupéré tout un tas de bateaux, c'est parfait. Indigène accommodant, ça c'est très bien également. On peut faire ça. Alors, puissance commerciale totale, coût d'expulsion des minorités, capacité de gouvernement, maintenance des États. Hop, j'ai besoin de thunes, je l'ai déjà dit. Hop, on peut augmenter notre morale terrestre. On enlève la recherche déséquilibrée. Et on est bon. Voilà, parfait. Donc maintenant on fait la paix. Donc on se prend pas la tête. Boum boum. Voilà. Répat de guerre. Toute ta thune. Ah, je peux pas. Parfait. Donc on vient là. Très bien. Donc, on a désormais l'état du Bengale. Donc, il manque Canton et Musashi. Donc, tant que ça, c'est pas légitimé, malheureusement, je vais pas aller voir jusque-là. Alors, je peux quand même essayer, mais j'ai malheureusement peu d'espoir. Ouais, je peux pas. Je peux explorer là, mais pas là. Ok. Donc, ouais, mais non, ça sert à rien d'attaquer le Bengale. Ouais. Faut que j'attende que ça soit légitimé, malheureusement. Sinon, j'aurais pas la portée coloniale. Plus 85 par an. Ça va être long. Et donc comme je vous le disais, le port est de l'autre côté. Donc en fait, c'est ça qui est bien, ça va me permettre de voir San Francisco après. Donc du coup, toi, tu fais ça. Ok, parfait. Tu peux reprendre lui. Et je vais te demander d'aller explorer par là-bas. Très bien. Cinq ans, c'est long, c'est très long. Alors, est-ce que je la vends cette compagnie? Je pense que oui. Hein, de toute façon, elle me coûte la peau du cul. Ouais, elle me coûte la peau du cul. Tant pis, j'en rachèterai une. Hein. Ça, c'est pas grave. Ok. On a vu que maintenant ça coûtait beaucoup trop cher pour acheter des choses de toute façon, malheureusement.
Donc, on va voir, hein, peut-être qu'avec un peu de chance, la Chine va me vendre Hong Kong, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors est-ce qu'on peut... Voilà, par contre, on peut peut-être nos cibi des gens comme ça, quoi. On peut nos cibi Okinawa, ou... Enfin voilà, faudra voir. Mais il faut d'abord que la légitimation se termine. Tant que la légitimation n'est pas terminée. Parfait. Parfait. Donc j'ai besoin de ça. Et ça, j'ai peur que ça coûte beaucoup trop cher. Mais du coup, je suis pas porté de colonisation. Par contre, quand ça sera légitimé, je devrais être à portée. Donc on verra. De toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est terminé. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir une fois que la légitimation sera finie ici, si on peut acheter Canton. J'y crois pas une seule seconde, mais bon. Si avec un peu de chance, on peut acheter Canton, je pense que ça va sentir bon parce qu'il restera à Nosibi le Japon. Pour récupérer Okinawa, et là ça sera vraiment finger in the nose. Et il restera San Francisco, mais ça devrait être jouable aussi en allant le chercher ici, la portée coloniale là. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour aller chez le Ming. Ciao.